On va pousser l'eau sur les côtés. À deux pas de la plage Bonne-Grâce à Sifour, deux bassins de 10 mètres sur 5 remplis d'une eau filtrée accueillent depuis le 6 juillet des enfants âgés de 3 à 12 ans souhaitant s'initier à la natation. À partir de 3 ans, on fait de l'éveil. Après, on a un cours d'apprentissage au bout là-bas avec Maxence qui apprennent à être à l'équilibre principalement. Et on arrive sur le troisième niveau, donc le perfectionnement, où déjà ils savent se déplacer, ils savent nager dans des nages qu'on connaît tous, la brasse, le crawl et le dos. J'ai appris plus de nages. Plus de nages. J'arrive mieux à rester plus longtemps sur l'eau. Apprentissage et perfectionnement se font ici sous la forme de stages d'une semaine reconductibles. L'inscription se fait sur place, moyennant 15 euros, le prix de la licence. Les cours sont dispensés par 3 éducateurs diplômés d'État. Apprendre à nager en mer, c'est trop compliqué, il y a souvent du mistral. Au moins ici, c'est calme et puis il faut un encadrement, il faut des vrais profs, quoi. Moi, j'y arrive pas, je suis pas un prof de natation. Pilotée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, l'opération Apprendre à nager est réalisée en partenariat avec les villes qui le souhaitent. À Sifour, c'est l'association Le Club des Cachalots qui assure techniquement l'apprentissage. En 10 séances, il va être capable de pouvoir se voir délivrer le diplôme du sauvenage. Ça veut dire qu'il n'est pas encore capacité de pouvoir savoir nager au sens du compétiteur. En revanche, il est capable de ne pas se noyer. Ce qui est quand même le fond du problème et le plus important. L'an passé, date de la première édition, environ 300 jeunes s'étaient inscrits ici. Cette année, ils sont près de 500. Fermeture des bassins le 23 août.